Bonjour, bonjour, Dr. Claudio Saracino, des plans DCS, méthode DCS, les plans DCS. Vrai professionnel par le V majuscule unique au monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une dame de Francfort, de Allemagne, allemande, qui me pose cette question. Cher docteur, j'ai un enfant de 4 ans qui ne dort presque jamais, qui tombe malade souvent, et qu'est-ce que je peux faire par l'hypnose DCS, vrai professionnel par le V majuscule? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils à propos de mon enfant, de mon fils? Moi, je réponds à cette dame, je réponds même à toi, que d'abord, il faut éliminer les phrases comme « ma fille ne dort jamais », « ma fille tombe malade souvent ». Ces phrases-là, il faut les casser du discours entre toi et toi, entre toi et ton mari, entre toi et tes amis. Même si ta fille, elle ne se trouve pas à côté de toi, où elle est en train de jouer sur les escaliers. D'accord? Il faut éliminer cette façon de parler, de se parler, de parler à la fille, mais même dans l'environnement où tu te trouves. Pourquoi ça? Parce que les enfants, ils ont leur subconscient comme une éponge. Elle absorbe tout, tout ce qu'il y a autour d'eux, surtout avant de 6 ans. Après aussi, mais moins que quand on a des zéros, ou même on peut dire de quand on est dans le ventre de ta mère, à 3 mois, quand le cerveau il est formé, jusqu'à 6 ans. Même les jésuites, c'est-à-dire les gens de la religion disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à l'âge de 6 ans et je vais lui faire devenir un fidèle serveur de l'église. Pourquoi jusqu'à 6 ans? Jusqu'à 6 ans. Parce qu'à 6 ans, je répète encore une fois, le subconscient, il est en train d'apprendre. D'apprendre. D'absorber. Donc, pour que toi, ta fille, ton enfant de 4 ans, il va à nouveau à dormir, à avoir une santé forte, etc., ils font changer tes mots. Parce que même Saint-François d'Assisi, au 1100, après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, disait attention à ce que tu dis et à ce que tu penses, parce que ça peut devenir la prophétie de ta vie. Et ça, a un peu plus pour les enfants. Les enfants, ils sont vraiment quelque chose d'unique et il faut faire attention. Donc, comme moi, j'ai lu de cette dame dans son email qui m'a écrit en me disant que moi, je répète ça, je dis ça, mon mari, il dit des gros mots, blablabla. C'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit. Après, si l'on est paresseuse, flemmard, paresseux, etc., tu peux décharger un audio MP3 DCS du site de mon association d'hypnologue associée de Los Angeles Beverly Hills, à laquelle je cède tous mes droits sur les audios MP3 DCS, suivre les instructions très faciles, la preuve d'un grand-père, la preuve d'un idiot, la preuve d'un flemmard, et t'étonner du pouvoir de ton fils, de ton enfant, même si lui, il ne participe pas. Parce que la méthode DCS, l'hypnose DCS, vrai professionnel par le V majuscule unique au monde, est unique parce qu'elle ne te demande pas ton temps, ta volonté, ta permission, ton autorisation, mais l'hypnose DCS sert même pour aider les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être aidés par personne. Imagine, dans ces cas-là, un enfant de 4 ans, lequel il ne peut pas être hypnotisé par les autres formes d'hypnose qu'il y a autour de toi. Parce que il ne te suit pas, il ne donne pas ton attention. Par l'hypnose DCS, c'est vrai professionnel, par le V majuscule, unique au monde, on peut le faire, sans si et sans mais. D'accord, l'important c'est que tu vas suivre les instructions très faciles, la preuve d'un campeur, la preuve d'un idiot, la preuve d'un flemmard. Ne crois pas à moi, tu dois faire parler les faits, parce que moi aussi je suis comme Saint Thomas, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas, et t'étonner du pouvoir
de l'esprit de ton enfant dans ce cas-là, mais même d'un vieux qui est dans le lit depuis longtemps, d'accord? Et il pense que l'hypnose de CS, vrai professionnel par le V majuscule, elle n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, l'hypnose père, l'hypnose des films, ni même pas avec l'hypnose conformiste commerciale de laquelle je suis parti pour me détacher en 2008, en épousant l'hypnose, vrai professionnel de Los Angeles, Beverly Hills, de grandes actrices de l'hypnose, vrai professionnel par le V majuscule. Madame, la dottoressa Madame Marina Brunil, le prof Dr. Miguel Angel Garay, deux grands artistes de l'hypnose, vrai et professionnel, par le vœu majuscule. D'accord? Et pour conclure, tu imagines que l'hypnose vrai professionnel par le vœu majuscule, par le V majuscule, est reconnu comme médecine alternative par l'Association médicale mondiale en 1958 et par l'Église, par le pape Pio IX en 1847. Le même pape Jean-Paul II, le pape Wojtyla, le pape polonais, lui, il s'auto-hypnotisait pour apprendre la langue étrangère et lui, il en connaissait plus de tous, comme il a déclaré dans sa biographie, un livre si gros, je t'invite à acheter et à lire. Donc, à toi, mon pote, le choix. D'accord? J'attends tes questions, je vais te répondre gratuitement et à la prochaine, Dr. Claudio Saracino. Je t'embrasse et à plus. Ciao.